Amine Gouiri en équipe d'Algérie, les nouvelles sont bonnes. En effet, selon le journaliste Moumen Aïd Kassi Ali, l'attaquant du Stade de Rennes, issu de l'académie de l'Olympique Lyonnais, a bien l'intention de rejoindre l'équipe d'Algérie. Mieux que cela, il a procédé au changement de tous ses documents officiels et détient d'ores et déjà la nationalité sportive algérienne, selon la même source. Dans la même publication, le journaliste affirme que l'attaquant de 23 ans devrait être présent lors du rassemblement de septembre, et ce, à l'occasion des matchs contre la Tanzanie et le Sénégal. Le premier étant officiel comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et le second étant amical programmé à Dakar. Dans un autre tweet, Moumen Aïd Kassi Ali a fait savoir qu'Amine Gouiri a été mis à la disposition du sélectionneur national Jamel Belmadi, avant de s'interroger sur l'identité du joueur de l'équipe d'Algérie qui va payer le prix de l'arrivée du buteur rennais chez les Fennecs. Étant avant-centre, seul Islam Slimani et Bagdad Bounedja sont concernés par l'arrivée de Gouiri. Il est vrai que ce sera peut-être un vrai casse-tête pour Jamel Belmadi.